Très bien, au revoir. Comment est-ce que tu me trouves? Je te trouve absolument ravissante. Tu es très Oh, belle. tu es Merci, mon adorable. amour. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous? Tu vois, Gif serait très content de te voir. Non, je ne peux pas. J'ai quelque chose de spécial pour elle, et tu le sais. Je dois me rassurer de mettre les points sur les i. Tu sais, c'est une surprise. Allez, vas-y, ma chérie. D'accord. Très bien. Salut-la de ma part. Ok, chérie. Je vous attends. Je vous attends tous les deux. On se voit à mon retour. D'accord. Rassure-toi que le chauffeur roule plus d'avant. D'accord. Ah. Elle m'est très précieuse. Il faut la couleur violette. La couleur violette de cette voiture. D'accord. Combien? 32 millions. L'argent n'est pas le problème actuellement. Nous sommes en train de parler de la marque de la voiture, de la couleur de la voiture. Parce qu'elle aime la couleur violette. Tu peux la voir? Tu peux la voir? Bien. C'est quoi le dernier prix? 32. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Tu peux t'en charger? D'accord. Est-ce que je peux la voir dans une heure? Merci. Merci. Ah! Ah! Allô? Oh oui, c'est moi. Quoi? Non, c'est pas possible. Où ça? Pita! 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 Salut, Chief. Bon après-midi. Il n'y a rien de bon cette soirée. Tu es occupé? Oui, oui, mais qu'est-ce que... Viens avec moi. Viens avec moi. Mon monde s'écoule. Mon monde s'effondre. Il n'y a plus rien qui va. Va, entre dans la voiture. Oups. Lève-moi ça. Ok. D'accord, allez-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolée, madame.
n'ose même pas faire un pas de plus. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Réponds-moi. Chercher un fouet pour me frapper? D'accord, vas-y. Je suis désormais un homme. Et j'ai le droit de faire l'amour à qui je veux et d'embrasser qui je veux ou encore de ramener qui je veux dans cette maison. J'ai démissionné de mon boulot. Quoi? Qu'est-ce que... Comment? Je veux dire, comment est-ce que tu as pu démissionner de ton boulot? Bon sang, c'est notre source de revenus dans cette maison. C'est ça qui nous rapporte de l'argent. Je ne te comprends pas. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Bien, je l'ai fait. Écoute, je suis actuellement confus. Je ne te comprends pas. D'accord, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Oui, je veux dire, comment est-ce qu'on est censé payer le loyer, payer les factures? Comment est-ce qu'on va faire tout ça? Tu es désormais un homme, souviens-toi. Donc, tu dois réfléchir comment prendre en charge les responsabilités de cette maison. Je suis une femme et tu es censée prendre soin de moi et non le contraire. Ah, attends un peu. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu t'entends parler? Qu'est-ce que tu racontes? Pour l'amour de Dieu, que diable dis-tu? Est-ce que tu réfléchis normalement? Donc tu as démissionné de ton boulot juste parce que nous avons eu une petite dispute à propos de... Ah, donc maintenant tu t'attends à ce que je devrais commencer à payer les factures pour... Pour l'amour de Dieu, tu es ma grande sœur. Arrête de parler comme si j'étais ton petit ami. Très bien, bien, bien. C'est très bien. Je suis ta grande sœur, pas de soucis, très bien. Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Grande sœur, ce n'est pas comme si je t'appréciais pas. Je veux dire, ce n'est pas comme si je ne suis pas reconnaissant pour tout ce que tu fais. Écoute, grande sœur, d'accord, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé de t'avoir offensé. S'il te plaît, pardonne-moi. Grande sœur. Désolé? Non, tu n'es pas désolé. Tu dis juste ça parce que tu n'es pas capable de supporter la responsabilité d'être un homme dans cette maison. Écoutez, Chief,
Dans ce genre de cas, les blessures traumatiques peuvent affecter le patient à des endroits vraiment délicats, qui peuvent entraîner des lésions oculaires. Et dans la plupart des cas, cela peut entraîner une déficience visuelle. Ah. Docteur, s'il vous plaît, arrêtez de trop parler et dites-le tel qu'il est. Papa... Oui, ma chérie. Ta fille est officiellement une aveugle. Oh non, ma chérie. Comment tu peux dire ça? Le docteur ne l'a pas dit. Hein? Docteur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ma fille pour qu'elle retrouve la vue? Chief, nous recommandons les chirurgies pour ce genre de cas. Mais généralement, c'est 50-50. Papa, tu as entendu ça? Est-ce que tu as entendu ça? Je vivrai le reste de ma vie en étant non aveugle. Non! Écoutez, docteur, vous devrez faire tout ce qui est humainement possible pour qu'elle retrouve la vue. Je suis disposé à payer tout ce qu'il faut, d'aller où que ce soit, pour qu'elle s'en sorte, qu'elle retrouve la vue, docteur. Nous devons juste croire en Dieu, Chief. Dieu? Vous avez dit Dieu? Je ne veux plus entendre ce nom une fois de plus. Ne mentionnez plus ce nom à côté de moi. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oh, désolé. Arrête de dire ça. Ma chérie, calme-toi. Papa. Ça va aller. Je suis aveugle. Non. Papa, je suis aveugle. Tu n'es pas encore aveugle. Ça va. Tu n'es pas encore aveugle. Calme-toi. Doucement. Pourquoi est-ce que tu arrêtes ma main comme ça? Comme si j'étais en train d'aller mendier. Qu'est-ce que je suis désolée. Trop... Je peux constater non, que tu t'amuses. Désolée, je blague. Mets le pied ici. Pas ici, c'est bien. Doucement. Mets le pied ici. Bien. Et voilà. Viens par ici. Bien. Tu restes d'abord là. Je vais chercher ta nourriture. Et voilà, ton repas favori. J'arrive, je viens avec de l'eau. J'ai fini. S'il te plaît, calme-toi, d'accord? Calme-toi, désolé. Je peux te nourrir? Non, je ne suis pas un enfant. Ma chérie. Oui, papa. As-tu fini de manger? Oui, papa. Merci. On remercie Dieu. Quoi? Je n'ai pas dit merci Dieu. J'ai dit merci, pas Dieu. Si tu ne veux pas remercier Dieu... Remercie donc Lola, c'est elle qui a préparé le repas. Peut-être qu'elle devrait me remercier d'avoir essayé de manger parce que c'était vraiment difficile. Quoi? Tu es en train de rire? Qu'est-ce qui te prend de te moquer de moi? Tu penses que c'est drôle? Je ne t'en veux pas. Tu ne sais pas ce que ça fait de manger quelque chose que tu ne peux même pas voir. Non. Je suis désolée, je ne riais pas. Amène-moi hors d'ici. Oui, laisse-moi t'aider. Laisse-moi me lever moi-même. Je ne suis pas invalide, bon sang!
Pourquoi est-ce que tu me tiens comme ça? Pourquoi est-ce que tu me tiens comme ça? Je veux juste te soutenir. Vas-y doucement. Oh mon Dieu! Non, ne le prends pas comme ça, je suis désolée. Est-ce qu'on va mendier? Vas-y doucement. Pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas tout simplement un plat pour que je le tiens? Doucement, vas-y doucement. Je peux me débrouiller à partir d'ici. Chief, papa, tu dois arrêter de t'inquiéter. Tout va aller pour le mieux. Merci. Merci. Papa, je dois retourner à Calabar demain matin à la première heure. Oh, vraiment? Oui, papa. Ok. Est-ce que c'est à cause d'elle? Non, non, papa. Papa, Gift est comme une sœur pour moi. Je pourrais faire n'importe quoi pour elle. Tout ce dont Gift a besoin maintenant, c'est de beaucoup d'amour et de compréhension. Elle ira bien. C'est juste que mon business est en pause depuis un moment maintenant et mes parents commencent à s'inquiéter. C'est vrai, tu sais. Nous devons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, surtout durant cette période difficile. Papa, pas besoin. Mais ça va. Je vais juste ajouter un peu d'argent dans ton business. Je vais faire un virement de 7 millions à ton compte demain matin. Papa, non. Non, papa, c'est trop. C'est rien. Ce n'est rien comparé à ce que tu fais. Merci beaucoup. Oh. Ah. Merci. Merci beaucoup. Merci. Papa. Merci. Merci. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, papa. C'est à nous de te remercier. Et non à toi de le faire. Merci à toi. Papa, s'il te plaît, tu dois arrêter de t'inquiéter. Elle ira bien. Merci. Je le sais. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, papa. Allez, lève-toi, on mange. Il faut prier avant, bénis le repas. Amen. Tu es malade. Dieu Tout-Puissant sanctifie ce repas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Grande sœur, ce repas est délicieux. Pour l'amour de Dieu, quelqu'un aurait pu être nu. Tu débarques chez les gens comme si... Hein? Jennifer, bienvenue. Joins-toi à nous. Que veux-tu dire par Jennifer, bienvenue? Joins-toi à nous. Hein? Pourquoi est-il si difficile pour toi de me considérer comme ta bailleresse? Ou alors tu es la propriétaire de cette maison? En effet, elle appartient à ton mari. Et puis quoi, maintenant que mon mari n'est plus? Hein? Jennifer. Bailleresse. Bailleresse, s'il te plaît. Ok. Bailleresse. Nous savons que tu es là pour le loyer, comme nous avons convenu. Mais le truc, c'est que l'argent n'est pas encore disponible. Mais je te promets... Le moment venu, je te rembourserai, mais pas maintenant. En temps voulu? Oui. En temps voulu, c'est ça qui va nourrir mes enfants. Hein?
Tu sais que tu n'as pas d'argent pour payer le loyer. Malgré ça, tu continues de m'appeler par mon nom, comme si c'est toi qui m'avais donné naissance. Écoute, Obiageli, je te donne une semaine. Une semaine, et si après une semaine, tu n'as pas payé ton loyer, je vais te jeter dehors, toi et ton. Vous deux, vous devez partir de chez moi. Est-ce que tu m'as entendu? Une semaine. Non, 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 non. Tu t'en rends compte? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Pour l'amour de Dieu, quelque chose ne va pas chez elle. Regarde la façon dont elle a débarqué dans la maison. On ne peut plus avoir la paix juste parce qu'elle est la propriétaire. Une misérable propriétaire. Vas-y doucement. Voilà. Alors, doucement, doucement, doucement. Voilà. Alors, ma chère, tu t'es bien amusée dehors? Oui, papa. Vraiment? Tu sais, je pensais que je pouvais te trouver un garde du corps. Non, papa. Je ne suis pas invalide. Je peux me balader sans aucun problème. D'accord, d'accord, d'accord. Dans ce cas, je ne fais que penser et repenser. Peut-être on peut chercher quelqu'un pour t'assister. Quoi? Tu veux dire une nounou? Oui. Non, papa. Je ne pense pas que j'ai besoin d'une nounou. Ma chérie, tu sais, je ne suis pas souvent là. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider. Je ne fuis pas ma responsabilité. Parce que je suis là. Je suis avec toi. Papa, Je n'aime pas l'idée d'avoir une nounou. Ça veut dire qu'on va ramener quelqu'un pour s'occuper d'une adulte mature comme moi. Non. Mais ma chérie, essayons au moins. S'il te plaît, mon amour. Mais papa, je vais bien. Je peux me déplacer. Ma chérie, essayons au moins. Essayons au moins de voir comment ça marche. D'accord. Merci, ma chérie. Merci. Maintenant, repose-toi. D'accord, d'accord, papa. Très bien. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon trésor. Je vais aller me coucher toute seule. Ok. D'accord. Bonne nuit. Hey, grande sœur. Comment tu vas? Je vais bien, tu es de retour. Comment était ta journée? Vraiment stressant. Ah, désolé. Dis-moi, tu as reçu l'argent que je t'ai envoyé? Tu m'as envoyé de l'argent? Oui.
Vérifie ton téléphone. Oui, 100 000 naira. Chike, où et comment as-tu eu cet argent? Voyons, grande sœur, je dois faire face aux responsabilités qui sont les miennes en tant qu'homme. Et voilà le résultat. Alors? Est-ce que c'est si important? Je veux dire, la source de cet argent n'est pas importante. Vraiment? Ok. J'ai eu cet argent dans un jeu de paris. Oui, j'ai gagné. Je croyais t'avoir demandé de rester loin des jeux de hasard. Et tu m'as promis que tu devais le faire. Grande sœur, un homme doit se battre. Tu me l'as toujours dit. Chike, fais bon usage de ta vie. Fais quelque chose. Sois responsable. Et maintenant, je m'efforce à le faire. J'espérais que tu sois fier de moi. Tu devais être heureux comme je suis capable de ramener quelque chose comme ça. Et non me blâmer ou me juger comme si j'étais allé voler au marché. Je dois être fière de toi. Parce que le jeu est le seul moyen de survivre. Hein? Tu sais quoi? Je vais te renvoyer cet argent. Je n'en ai pas besoin. Tu veux me renvoyer l'argent? Oui. Fais comme tu veux. Oui. Entrez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous êtes ici pour l'entretien d'embauche? Oui, monsieur. Quelle expérience avez-vous? De l'expérience? Qui a besoin d'expérience pour prendre soin d'un enfant? Lorsqu'un enfant a faim, tu lui donnes à manger, tu le laves et tu le fais dormir. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu vas t'occuper d'un enfant? Évidemment. Sinon, pourquoi auriez-vous besoin d'une nounou? Pourquoi d'autres auriez-vous besoin d'une nounou si ce n'est pour un enfant? Sors d'ici. Que je sorte? J'ai dit sors d'ici. Prochain. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. Papa, mm-hmm. N'est-ce pas la voix d'un homme que j'entends là? C'est la voix d'un homme. Jeune homme, c'est en effet un travail de femme. Ce n'est pas pour un homme. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi une chance. S'il vous plaît, je peux faire n'importe quoi, monsieur. Il n'y a rien que je puisse faire. Lorsque vous serez dehors, mon chauffeur va vous donner l'argent de transport. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, j'ai vraiment besoin de ce travail. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Vous pouvez partir maintenant. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, tout ce qu'une femme peut faire, je peux aussi le faire. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y, s'il vous plaît. N'oublie pas de récupérer ton transport dehors. Mon chauffeur est là. D'accord? Prochain. Papa, je t'ai dit que ça ne marchera pas. Ma chérie, soyons patients. Essayons encore. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, demoiselle. Qui êtes-vous? Je m'appelle Obiageli Okoli. Je viens de Anambra State et je réside à Lagos. Thank you.
Merci, je vous en prie. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que je fasse pour vous? Je te ferai signe. Ok, madame. J'attendrai dehors. Obiageli? Oui, monsieur. Je suis ravi qu'elle ait accepté que tu prennes soin d'elle. Je suis plus ravi et j'aimerais vous remercier encore pour cette opportunité. Tu sais, elle est tellement précieuse et inestimable pour moi. Je veux que tu prennes bien soin d'elle, d'accord? Je ferai de mon mieux, monsieur. D'accord. Je te donnerai 250 000 chaque mois. 250 000 Oui, prenant en compte tout ce que tu fais pour moi. Oh, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Ok, ce n'est rien. Viens, je veux te faire visiter. Qui est-ce entré? Bonjour, madame. Je vous dis bonjour, madame. Est-ce que cette maladie me fait paraître tellement vieille que des personnes plus âgées que moi m'appellent désormais madame? Non. Non, ma chérie, vous êtes tellement belle. Hey! Je déteste la pitié. Et les flatteries inutiles ne sont pas la bienvenue ici. Est-ce que tu as compris? Désolée, madame. Ça suffit avec madame. Je suis désolée. Mais c'est très normal que je salue mon employé. Je ne pensais pas en mal. Vous aimeriez que je fasse quelque chose pour vous ce matin? Aide-moi juste à aller dans la salle de bain. D'accord. Comment avez-vous passé la nuit, madame? J'espère que vous avez ça bien dormi. Ça suffit avec les plaisanteries. Fais juste ton travail. Désolée, madame. Arrête de m'appeler madame, d'accord? Oh, ok. Je déteste quand tu me tiens comme ça. Désolée. Tu veux entrer? Quoi? Tu veux me voir nue? Oh, vraiment désolée, madame. Allez-y doucement. Faites attention. Désolée. Est-ce que c'est mon ange, mon rayon de soleil, mon cœur? Oui, papa. Tu sais, tu ressembles vraiment à la lune et au soleil. Bonjour, comment papa. Tu vas ce matin? Tu vas bien? Oui, papa. Bonjour, oh, papa. Ma chérie, tu ressembles au soleil du matin. Papa, s'il te plaît, oh, arrête. Oh non, tu sais que c'est la vérité. Bonjour, monsieur. Oui, ma chère, au bien guéri, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour ma fille. Merci de prendre soin d'elle. Je remercie Dieu, monsieur. Le Seigneur a été merveilleux. Toute la gloire revient à Dieu. Ramène-moi dans ma chambre. D'accord, ma chérie. Pas toi. Toi, papa. Ça va, ma chérie. C'est bon. Elle dit quelque chose Allons-y. De mal. Vas-y doucement. Ça va aller. Vas-y doucement. Très bien. Vas-y doucement. Fais un pas après l'autre. Ok, vas-y, fais un pas après l'autre.
Hey, ça va aller, ça va. Papa, dis-lui de ne pas me toucher. Lève juste le pied. Ok, maintenant lève l'autre. Très bien, très bien. Allons-y. Ok. S'il te plaît, assieds-toi. Merci, monsieur. Écoute, ma chère. Il se passe beaucoup de choses ici. Et j'aimerais que tu réduises tes convictions religieuses si tu veux continuer à travailler ici. Avec tout le respect, monsieur. Je suis une chrétienne. Je crois en Dieu. Et je suis tellement fière de ma foi. Et si cette maison m'interdit de pratiquer ma foi, alors je suis désolée, monsieur, je vais devoir démissionner. Ma chère, tu vois, ma fille traverse une période difficile, un moment difficile. Et j'aimerais que tu sois avec elle. Au moins pour un temps. Tu sais, cette maison est aussi une maison religieuse. Et ma fille est une chrétienne. Et pourtant, elle se fâche lorsqu'on parle de Dieu. Tu ne pourras jamais comprendre. Tu ne pourras jamais comprendre. Dieu a permis que cet accident arrive. Dieu a permis que ma mère meure. Dieu a permis que ces brigands viennent interrompre les funérailles de ma mère bien-aimée. Dieu a permis tous ces dommages. Dieu m'a enlevé la vie, alors je ne veux pas qu'on mentionne son nom à côté de moi, s'il te plaît. Gift. Tu ne peux pas te battre contre Dieu. Il connaît le début et la fin. Il est l'ultime, quoi qu'il arrive. Et peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, tu dois remercier Dieu. Il n'est rien. Il n'est pas le plus grand de tous. Il n'est pas l'ultime. Et je ne lui donnerai aucune gloire. C'est lui qui m'a fait ça. C'est si facile pour toi de t'asseoir là-bas et donner des conseils sur quel que soit le Dieu et quelles que soient les Écritures, parce que tu ne connais pas ce que je traverse. Jusqu'à ce que tu puisses ressentir la douleur. Et peut-être que là, j'écouterai tes prédications. Si j'étais née aveugle, ça aurait été différent. Mais j'ai utilisé mes deux yeux pour voir les bienfaits de cette terre. Pour aucune raison, il me l'a enlevé. Et maintenant, tout ce que je vois, c'est l'obscurité. Tu me parles encore de Dieu. Comment es-tu le plus grand? Comment? Gift, calme-toi. Je comprends ce que tu ressens, mais tu ne peux pas combattre Dieu. Sors d'ici. Sors d'ici. Maintenant, sors d'ici. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Je m'en veux moi. J'en veux aussi à Dieu d'avoir enlevé ma vue. Je suis sûre que tu es parfaite, donc tu ne peux pas comprendre. Prends ta perfection et sors de ma chambre. Sors d'ici. Laisse-moi tranquille.
Non, laisse-moi t'aider, Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je croyais que tu étais parti. J'ai besoin d'un travail pour prendre soin de mon frère et de moi. Je suis désolée si je t'ai offensée. Ce n'est pas de ta faute. C'est ma douleur et personne ne peut la partager. S'il te plaît. Laisse-moi t'aider, Gift. Permets-moi de partager ta douleur. Ne me méprise pas à cause de mon origine modeste. Je peux faire tout ce que tu veux que je fasse. Je peux être ta meilleure amie. Ta voix est réconfortante. Mais la douleur dans mon cœur grandit de plus en plus. Est-ce que tu sais comment j'ai mal de ne pas pouvoir mettre un visage sur cette voix réconfortante? Je me sens tellement inutile. Non. Je me sens inutile. Non, tu n'es pas inutile. Tu ne l'es pas. Ok? Ça va aller. Ça va aller. Monsieur, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que je fasse pour vous avant de partir? Bonne nuit. Monsieur, y a-t-il un problème? Ma famille me manque tellement. Monsieur Gift est toujours là avec vous. Tout a complètement changé ici. Papa. Mon ange, mon rayon de soleil, ça fait bon du retour. Bien de te revoir. Je suis ravi de te revoir. Bon retour à la maison. Merci, papa. Ingénieur Oladé Gift. Absolument. Je me demande toujours pourquoi est-ce que tu as insisté pour que je revienne à la maison après mes examens. Quel est le but de tout ça? Mon trésor, tu es ma fille. Tu es la ravissante fille d'un politicien. Oh oui. Un jour, tu pourras me rejoindre dans la politique. Quoi? Non, papa. Je t'ai toujours dit que la politique ne m'intéresse pas. On ne sait jamais. Maman, toi aussi? Bien sûr. Alors, bon retour, ma chérie. Papa, bon retour. Nous avons beaucoup de bonnes choses pour toi. Ça fait du beaucoup bien de bonnes choses pour toi. Merci, papa. Bon retour à la maison.
Tout est de ma faute. Non. Non, monsieur. Ce n'était pas votre intention. S'il vous plaît, ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Tout ira bien. Tu es une très bonne fille, tu sais. Merci d'être là en cette période difficile. Je vous en prie, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Non, 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 non. Je ne peux pas. Je ne peux pas garantir un tel prêt. Non, non. Je ne le connais pas. Pourquoi est-ce que je garantirais un tel prêt pour lui? Qu'il vienne me voir au bureau. D'accord? Bonjour, Chief. Qu'est-ce qui est bon sur ce matin, inspecteur? Vous n'avez pas encore trouvé les gens qui ont gâché les funérailles de ma femme. Donc comment est-ce que cette journée peut être bonne? Chief, croyez-moi. Nous travaillons sérieusement pour amener ces criminels à rendre des... Inspecteur, il y a de cela 6 mois, vous m'avez dit la même chose. Aujourd'hui encore, vous me racontez la même chose. Chief, cette fois-ci, nous sommes... Alors, comment est-ce que vous allez procéder? Comment? Chief, c'est pour ça que je suis ici. Chief, est-ce que vous... Vous connaissez... cette personne? Lui, c'est Elijah. C'est mon ancien chauffeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Elijah? Oui. Votre ancien chauffeur? Oui. D'accord. Chief, je crois que c'est tout pour le moment. Nous vous reviendrons certainement dès que possible. Inspecteur, je compte sur vous. Hein? Je compte sur vous. Chief. Ok. Nous vous reviendrons. Ok. Je dois partir maintenant. Merci. Merci, Chief. Ne te dérange pas. Laisse-moi t'aider. Ne te dérange pas. Ne t'inquiète pas. Ça va. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Je veux juste me laver les mains. D'accord, je crois que c'est bon. Merci. Il n'y a pas de quoi. Tu m'as l'air d'être une très bonne personne. Mmh. Merci. Parle-moi un peu de toi. Je suis une personne incroyable. Je suis une travailleuse acharnée. Et j'ai un frère. Ok. Dont je m'occupe et c'est pour ça que je travaille pour m'assurer qu'il ait une meilleure vie. Waouh. Tu es en effet une très bonne personne. Je suis sûre que tes parents doivent être très fiers de toi. Oui, mais ils sont décédés déjà. Oh, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. Ça va, c'est bon. C'est mon téléphone. Ok, laisse-moi te le chercher. Non, 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 ça va, je vais le faire. Je sais où c'est. Tu es sûr? Oui, t'inquiète, c'est le chez moi, je connais mon chemin. Merci. Allô, Lola? Ah, désolée, j'étais en train d'assister au biagili à la cuisine. Ah, ce n'est pas grave, ne commence même pas. Comment va ton petit ami Dandy? Quoi? Je ne comprends pas. Ah, où es-tu présentement? Arrête ça, tu veux te tuer à cause d'un homme? Attends. Lola, tu es en train de pleurer à cause d'un homme, s'il te plaît. Bon, désolée, je ne me moque pas de toi, mais c'est très drôle. Oh, s'il te plaît, assez de Dandy. Quand est-ce que tu reviens?
Tu es partie depuis si longtemps. Tu me manques. Ok, fais vite et reviens, d'accord? Je sais. Bien sûr. Non, je ne t'ai pas remplacée, mais c'est juste quelqu'une pour m'aider. Tu vas l'apprécier. Ok, je te rappelle plus tard, d'accord? Très bien. Ton repas a servi. Merci. Je t'en prie. Voici ton nom. Merci. Tu as fait les meilleures pâtes. Merci. Je t'en prie. Tu as déjà mangé? Je vais aller faire le mien. D'accord. Merci. Merci. Bonjour, Chief. Bonjour, Obiageli. Je peux constater que ma fille s'entend bien avec toi. Oui, Chief. Elle est une personne tellement adorable. Merci. Monsieur, le petit déjeuner est prêt. Je vous sers. Votre petit déjeuner. Au fait, je ne prends pas de petit déjeuner. Ok, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous voulez pour le déjeuner? Je ne serai pas là pour le déjeuner, mais je serai là pour le dîner. D'accord, monsieur. D'accord. Prends bien soin d'elle. Très bien. Je le ferai, monsieur. Au revoir. Où est Obiageli? Obiageli. Bonsoir, Chief. Bonsoir. Où est ma fille? Elle est déjà couchée. D'accord. D'accord, j'achète ça pour toi. Merci. C'est pour te remercier pour tout ce que tu fais pour que ma fille retrouve le sourire. Merci beaucoup. Je suis reconnaissante. Ce n'est rien. Si tu as besoin d'une avance de salaire, tu peux demander, je te donnerai. Oh mon Dieu, merci beaucoup, monsieur, merci. Je t'en prie. Viens me donner un câlin. Allez, fais-moi un câlin. Oh monsieur. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, d'accord? Ok, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Son téléphone est éteint. Éteint? J'espère qu'elle va bien. Bien, bien. J'ai juste le sentiment qu'elle peut être en danger. Sentiment? Oui. J'ai Papa, juste le sentiment. Tu oui. as maintenant des sentiments pour elle? Oh, non, mon trésor. Pas dans ce sens. Comment pourrais-je? Je ne pourrais pas remplacer ta mère. Je sais que je ne peux pas. Mais moi, avoir des sentiments pour elle, pas du tout. Oh. Bien, elle est aimable et elle est aussi une bonne personne. Mais n'est-il pas un peu tôt pour remplacer maman? Oh, mais mon trésor, je ne peux pas remplacer ta mère. En plus de ça, même si je devrais le faire,
Ce ne sera pas quelqu'un de ton âge. Mm-hmm. Ah, la voilà qui arrive. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as fait attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été agressée sur la route du marché. Oh mon Dieu! Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Et pourquoi tu n'es pas allée déposer une plainte au commissariat? Non, ça sera une perte de temps. La police ne va rien faire de concret. Ils voudront juste récupérer de l'argent. Et c'est tout. Oh non! Ils feront quelque chose. De toutes les façons, j'insiste. Nous allons déposer une plainte à la police, d'accord? Ok. D'accord. Bon, allons à l'intérieur avant de partir. Doucement. Oh, mon rayon de soleil, tu es là? Papa. Oui, ma chérie. Non, ça va, ça va. Je dois voyager aujourd'hui. Quoi? Papa, oui. Tu voyages encore et tu ne me l'as même pas dit. Oui, ma chérie, c'est imprévu. Mais je serai de retour dans une semaine. Obiageli prendra soin de toi en mon absence, d'accord? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis actuellement en train de voyager. Je serai de retour la semaine prochaine. Je veux que tu prennes soin de mon ange. Bien sûr, tu monsieur. Tu le ferais? Je suis ici pour ça. D'accord, très bien. Mon trésor, on se verra à mon retour, d'accord? Très bien. Prends soin d'elle. D'accord, monsieur. D'accord, au revoir. Oh, voici ton nom. Merci, je t'en prie. Ne t'inquiète pas. Il sera de retour avant même que tu ne t'en rendes compte, ok? Je ne suis pas si triste. Au moins, maintenant, j'ai quelqu'un qui me traite comme son propre sang. La famille, c'est le plus important. Tu es désormais membre de notre famille, n'est-ce pas? Oui. Vas-y, bois ton nom. Ça va? Oui. Tu n'en veux plus? Ok, laisse-moi le ramener. Merci. Lola, est-ce qu'on peut éviter de parler des hommes? Ce n'est pas mon sujet préféré. Nous devons être en train de parler de quand est-ce que tu reviens. Quoi? Oh, c'est trop loin. Wow, c'est magnifique. Qui est là? Qui es-tu? Bonjour. Qui es-tu? Obiageli? Obiageli, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la maison. Obiageli? Oui? Il y a quelqu'un dans la maison. Oh. Oh, grande sœur. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu trouvé cet endroit? Voyons. Je n'ai pas vu ma seule et unique sœur bien-aimée depuis des semaines. Sœur?
Je veux dire, au lieu qu'elle vienne m'embrasser de toutes ses forces, elle est plutôt là en train de m'agresser avec des questions. Voyons, grande sœur. Pourquoi tu n'as juste pas appelé? Bien, j'ai essayé de t'appeler, mais ton téléphone est éteint. Oh. J'ai été agressée. Tu as été quoi? Agressée? Oh, désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Gift. Lui, c'est Chike, mon frère. Chike, voici Gift. Salut. Tu es très belle. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous voyez une aveugle, vous devez la complimenter? Qu'est-ce que c'est censé faire? Me faire voir? C'est censé me faire me sentir mieux? Oh, il est vraiment désolé. S'il te plaît, occupe-toi de ce qui t'amène ici. Ne me complimente plus jamais. Amène-moi. Occupe-toi de tes affaires et fais seulement ce pourquoi tu es venu ici. Ne me complimente plus jamais. Désolé. Je ne suis pas malade. Je peux retrouver le chemin jusqu'à ma chambre. Hey! C'est insensé. Quoi? Allez! Voyons, grande sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je fait quelque chose de mal? Elle déteste les compliments. Pourquoi? Je suppose à cause de son état. Son état n'empêche pas le fait qu'elle soit belle. J'étais juste en train de l'apprécier. Elle est belle. Chike, écoute. Reste loin d'elle. Je ne veux pas perdre mon travail. Oh. D'accord, j'ai compris. Grande sœur, dis-moi, qui t'a agressé? Je ne sais pas. Les choses sont allées tellement vite, je n'ai pas pu les remarquer. Tu n'as pas pu remarquer une personne? Non. Pourquoi tu demandes? Je vais récupérer ton téléphone. Oui, je le ferai. Et je te le promets. Et comment tu comptes faire ça? Je suis un garde de la rue. Ne t'inquiète pas. J'ai fait la rue et la rue est encore en moi. Donne-moi juste du temps pour le faire. Je vais récupérer ton téléphone. C'est une promesse. Je suis un garde de la rue. La rue, c'est ci. La rue, c'est là, 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 là. Je ne comprends pas. Ne va pas chercher les problèmes, oh. Ne va pas chercher les ennuis, oh. Tu sais que tu as tout ce qui me reste. Je sais, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tu vois ce ventre. C'est vide. J'ai très faim. S'il y a n'importe quoi que tu as à la maison, donne-moi pour que je mange. On s'est pas vu depuis. S'il te plaît, arrête, petit gros mangeur. Entrons. Doucement. Sois prudente. Sois prudente. Doucement. Nous y sommes. Voilà. Merci. Ça revient. Je suis désolée pour la façon dont j'ai agi envers toi. Plutôt, je suis vraiment désolée, d'accord? Tu sais, ma grande sœur pense que tu es une personne très difficile à cerner. Bien, il y a beaucoup de choses que ta sœur ne connaît pas à propos de moi. Ok. Maintenant que nous sommes là, pourquoi est-ce que tu ne me dis pas toi-même? Ah, et si on commençait plutôt par toi? Parle-moi de toi. Moi? Il n'y a pas grand chose me concernant en réalité. Il n'y a que moi et ma grande sœur dans ce grand monde. Je suis un bon gars facile à vivre. Je n'aime pas les ennuis. Je n'ai pas d'amis. Je ne garde pas d'amis. Et au passage, j'ai quelques dettes qui pendent dessus ma tête. Des dettes dont tu dois des personnes? Ouais, oui, oui. Mais ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de fascinant te concernant?
un peu de politique. Des fois, j'ai envie de réussir sans travailler. Tu es un sorcier. Oui, oui. Bien, je crois qu'on a assez parlé de moi. Parlons de toi. Moi? Je veux dire, parle-moi de toi. Ma sœur m'a dit que tu n'es pas née aveugle. Comment est-ce que tout ceci est arrivé? Comment c'est arrivé? Eh bien, je peux constater que ta grande sœur t'a déjà beaucoup parlé de moi. Non, pas vraiment. Elle a dit que ce n'était pas à elle de parler de toi, tu sais, et... Alors je me demandais juste pourquoi tu ne me dis pas. Maman, je l'ai fait. Je suis une diplômée certifiée. Je suis si fière de toi. Merci, maman. Ne t'inquiète pas, ton père sera si fier de toi. Je sais, j'ai hâte de voir la joie sur son visage. Oh, je suis si fière de toi. Je suis la digne fille de son père et j'ai mon diplôme. Oh mon Dieu. Mon téléphone. Allô, Priestley, où es-tu? Bien sûr que je suis partie. Ma mère est venue me chercher. Oh, tu voulais la saluer. Oh. Elle est en train de rouler, mais tu peux toujours lui dire bonjour. Dis bonjour à mon ami, voulait te rencontrer. Oh, Priestley. Et c'est comme ça que j'ai perdu la vue. Et ma mère bien-aimée, Priestley, mon fiancé, a rompu avec moi lorsqu'il a su que j'étais aveugle. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je n'aime pas la pitié. Je suppose que ta sœur a dû te dire ça aussi. S'il te plaît, ramène-moi à l'intérieur, bien d'accord? Bien sûr, bien sûr. Allons-y. Ok, oui, de ce côté. Ok? Fais attention. Voilà. Answer. Voici ton téléphone. Ah. Où est-ce que tu as trouvé mon téléphone? Je t'ai dit que j'allais le récupérer. Et le voici. Mais je t'ai demandé d'éviter les ennuis. Tu m'as toujours dit, Tiki, sois un homme. Sois à la hauteur des responsabilités qui sont les tiennes. Et je suis en train de devenir un homme. Voyons. Comment est-ce que rester loin des ennuis et être un homme sont liés? Tiki, tu es mon unique frère. Tu es la seule personne qui me reste sur cette terre. Hein? Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Je sais. Et c'est pour cette raison que je ne laisserai jamais personne, je dis bien personne, se foutre de la seule et unique grande sœur. Crois-moi, je te protégerai. Mais comment je vais expliquer à la police où j'ai pu récupérer mon téléphone volé? La police? Oui. Tu es allé signaler cette affaire à la police? Chief l'a fait. Merde. Tu ne m'as pas pris la peine de m'expliquer? Comment j'aurais su? Alors, je pense que dans ce cas, je devrais repartir avec ce téléphone. Parce que, oui, je ne veux pas que les choses se compliquent pour toi. Obiageli, est-ce que tout va bien? Oui. J'ai entendu des voix. Tout va bien. Chiki est là. Salut. Oh, salut. Allons nous promener. Super. Allons-y. Viens de ce côté. Tu t'approches de l'escalier, soulève tes pieds. S'il te plaît, sois prudent avec elle. Super, vas-y. Alors, as-tu pu payer tes dettes? Oui, je l'ai fait. Et je te remercie pour ton soutien. Vas-y doucement, lève la jambe. Ok. Très bien. Doucement. Doucement. Ouais, lève la jambe. Ok. Assieds-toi. Très bien. Tu vas bien? D'accord. «
Et j'ai sauté du rêve, tu ne peux pas croire. Vraiment? Oui, je l'ai fait. Comment est-ce que tu as fait? Écoute, ça? Je l'ai fait. Fou. Je devais le faire. Oh mon Dieu. Tu sais, Chike, tu as un excellent sens de l'humour, exactement comme ta sœur. Merci. Je suis simplement un gars très drôle avec qui tu peux traîner. Oui, tu l'es. Oui. Je n'ai pas autant ri depuis des années. Je souhaiterais juste voir ton visage pendant que tu racontes toutes ces blagues. Gif, tu peux essayer. Je peux? Oui, tu peux. Attends. Très mignon. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je dit quelque chose de mauvais? Chike. Qui es-tu? Oh, papa? Oui, mon trésor. Je viens juste de rentrer. D'accord. Obiageli! Obiageli! Monsieur? Papa, tu ne m'as pas dit que tu rentrais. Oui, je voulais te faire la surprise, mon ange. Oui, chief. Qui est-ce? Lui, c'est mon frère, monsieur. Oui, monsieur. Allons-y. Ne la touche pas. Grande sœur, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, Chike! 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 Chike, je t'ai prévenu. S'il te plaît, je ne veux pas les problèmes. Oh. Reste loin de Gift. Hein? Reste loin. Reste loin d'elle comme un fil nu. Hein? C'est quoi même, non? Je ne comprends pas. Je dois rester loin de Gift. Mais je ne fais rien de mal avec elle. En réalité, nous n'avons qu'une relation amicale. Et elle est confortable avec ça. Ne l'as-tu pas vue heureuse? Elle sourit. Je ne suis pas à l'aise avec tout ça. Donc, s'il te plaît, reste juste loin d'elle. C'est même quoi ça, non? Je t'ai prévenu, oh. Reste loin d'elle. Obiageli! Monsieur! Obiageli! Monsieur! Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas pourquoi ces gens sont si compliqués. Avoir une conversation avec quelqu'un est devenu un problème. Monsieur. Est-ce que ton petit frère vit ici avec toi? Non, monsieur. Pas du tout. Maintenant, écoute-moi et écoute-moi très bien. Si je revois ce jeune homme près de ma fille, s'il veut profiter de l'état de ma fille, je vais sévèrement m'occuper de lui. Et il ne saura d'où je viens. D'accord. Je suis vraiment désolée, monsieur. Va-t'en. D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il veut? Qui est-ce? Entrez. Et comment va ma ravissante fille, la seule et la plus précieuse à mes yeux? Comment elle va? Ça ne va pas, papa. Oh, mon trésor, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu as parlé à Obiageli de la sorte? Ce n'était pas bien de ta part. Oh, il le fallait et je ne le regrette pas. Papa! Vois-tu, ma chérie, Obiageli travaille pour moi. Et en tant qu'employeur, je dois la réprimander si elle fait quelque chose qui n'est pas bien. Ok, je t'ai laissé sous sa garde. Et lorsque je suis rentré, j'ai retrouvé un parfait inconnu très proche de toi.
Qu'est-ce que je devais faire? Je me suis senti mal. C'était dur à accepter. Ok. Désolé, papa. Mais tu peux mettre la faute sur moi. D'accord, mon trésor. Ça va. Hein? Ça va. Ça va. Maintenant, en fait, je suis venu te dire que je vais voyager demain matin. J'ai une convention. Quoi? Un autre voyage? Mais papa, tu es rentré, ça fait à peine 4 heures. Oui, ma chérie. Écoute, cette fois, tu viens avec moi. Quoi? Tu es sérieux? Oui, donc ne t'inquiète pas. Obiageli va nous accompagner aussi. Mais... Non, papa. Tout ça n'est vraiment pas nécessaire. Je ne voudrais pas te distraire. Vraiment? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Obiageli est là. Ça va aller? Oui, papa. Vas-y. D'accord, ma chérie. Maintenant, il faut dormir. D'accord. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, trésor. Dors bien. Obiageli? Oui. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Mon père est parti et toi aussi tu veux me laisser. Tu veux me laisser seule pour que je fasse comment? Non. Tu sais que je ne vais jamais laisser quelque chose t'arriver. Hein? Je veux juste que tu me donnes la permission pour que j'aille récupérer le téléphone. Allons-y ensemble. Hein? Non. Tu veux que Chief se mette en colère? Chief sera en colère contre moi. Je ne veux pas. Qui va lui dire? S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Je ne veux pas être seule dans cette maison. Mais je suis là pour toi. Est-ce que c'est Chike? Oui, c'est moi. Ah, Chike, tu es là? Oui, je suis là. Je suis ravie que tu sois venue. Tu es la bienvenue. Avance. D'accord, doucement. Ok. Chike, je peux te voir. D'accord. Gift, je reviens très vite. Gift, une minute. D'accord. Chike. Chike. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra, non? Pourquoi est-ce que tu me demandes? C'est un mage. S'il te plaît, je t'en supplie. Comporte-toi bien dans cette maison. Reste loin de Gift. Je ne veux pas de problèmes. Tu veux nous mettre dans les ennuis? Grande sœur, je te comprends pas. Tu t'en rends compte? Au lieu de me remercier, d'essayer de te donner un coup de main quand tu n'es pas là, tu es ici en train de m'avertir de rester loin de Gift, comme si j'étais un lion prêt à la dévorer. Je te l'ai déjà dit. Reste loin de Gif. Je suis en train de sortir. S'il te plaît, garde tes distances. Je ne veux pas de problème dans cette maison. Où tu veux que je perde mon travail? Reste juste loin d'elle. Je n'aime pas ça. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. C'est toi qu'on va arrêter. Qui est dans cette maison? C'est toi? Oui, c'est moi. Oh, mon ange gardien, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué encore plus. Écoute, je ne pouvais plus supporter, donc j'ai décidé que je devais venir te voir. Alors, comment tu vas? Bien. Comment va ton chéri Dandy? Dandy, hey. Par où est-ce que je commence? Obiageli. Madame. Obiageli.
Oui, madame. Bon après-midi. C'est la nouvelle servante. Elle s'appelle Obiageli. Elle n'est pas une servante. Voyons, ton père a embauché quelqu'un pour prendre soin de toi. Et tu dis qu'elle n'est pas une servante. Elle est de ta famille. Lola, tu essayes de nous diviser ou quoi? Comment ça vous diviser? Ton père a embauché quelqu'un pour prendre soin de toi à cause de ton état, pour te faire du babysitting. Quoi? Faire du babysitting? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? C'est très mal. Ai-je l'air d'un enfant à tes yeux? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il y a certainement quelque chose qui ne va pas chez toi, je peux le constater. Gif, je ne suis pas d'humeur pour tes injures cet après-midi. Est-ce que tu vas bien? Tu sais quoi? Obiageli, s'il te plaît, viens m'aider. Qui est cette fille? Pour qui est-ce qu'elle se prend? À cause d'elle. Gift? Attends. Gift, est-ce que tu viens juste de me tourner le dos à cause de cette étrangère? Lola, elle s'appelle Obiageli et j'ai quitté le salon parce que j'ai besoin d'un peu de paix. Vraiment? C'est tout ce que tu as à dire? Donc maintenant je suis devenue une briseuse de paix. Hein? Tu sais quoi, Gift? Tu n'es qu'une ingrate. Quoi? Oui, c'est ce que tu es, une ingrate. Et le fait que ton père soit riche et te donne tout ce que tu veux ne signifie pas que le monde tourne autour de toi. Tu m'écoutes? Tu n'es pas mieux que n'importe qui parmi nous. Quoi? Tu sais quoi? J'en ai terminé. Sors! Sors de chez moi et reste loin de moi. Quoi? Tu m'as entendu? Que je sorte de chez toi? Maintenant! Vraiment? J'ai dit va-t'en! Tu me regardes dans les yeux et tu me dis ça? Sors d'ici! Que je sorte de chez toi après tout? Sors d'ici maintenant! Après tout, tu me demandes de sortir de chez toi? Sors d'ici! Va-t'en! Allez-y, s'il vous plaît. Dehors! Sors! S'il vous plaît, sors d'ici! Toi aussi, Déon! Déon, sortez! Mon trésor, ouvre la porte. Il faut qu'on parle. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est comme ça? Depuis l'incident avec son ami. Son ami? Mon trésor, est-ce que tu peux ouvrir pour qu'on parle? Mon trésor. Papa. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis prête pour la chirurgie. D'accord. Tu te rappelles que le docteur a dit que c'était 50% de chance? Je prendrai le risque. Tu le feras? Oui, papa. D'accord, mon amour. Écoute, on m'a dit que tu t'es enfermé ici depuis longtemps. Tu n'as pas mangé, tu dois avoir faim. Et puis tu es en train de pleurer. Ah, mon trésor! Quoi? Va chercher les clés de ma voiture. Va chercher les clés de ma voiture. Dépêche-toi. Va chercher mes clés. Mon trésor. Bonjour. Je suis là pour voir mon ami. Écoutez, si vous savez ce qui est bien pour vous, vous ferez mieux de quitter cette maison et ne plus jamais revenir ici. Pourquoi?
Et vous me demandez pourquoi? Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois ou ne pas faire dans cette maison. Et vous êtes toujours là à parler. Et vous ferez mieux de partir d'ici. Ah ah! Ah, Chief. Bon après-midi, papa. Comment elle va? Elle n'est pas rentrée avec vous? Non. Le lycée a refaire surface. Oh mon Dieu! Je ne savais pas qu'elle avait lucé. C'est de ma faute. Lola. Ah, oui, papa. Lola. Lola, combien de fois je t'ai appelée? Je suis vraiment déçu de toi. Papa, je suis... Toi! Papa, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh, je ne voulais pas Lola, lui faire du mal. Tu devrais aller lui dire désolée. Pas à moi. Je ne veux pas voir ses pieds dans cette maison pour le moment. Papa, oui, papa, papa, je suis désolée, papa, papa. Salut. Est-ce que tout ceci est de ma faute? Oui, c'est de votre faute. Partez. Commencez à prendre la route. Vous êtes encore là? Laissez-moi vous ouvrir la porte. Oya, bye bye. Bonjour, Tiff. Ah, ah. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment va ma fille? Votre fille va bien, mais elle a besoin de rester encore ici pour un moment. Pourquoi? À cause de sa chirurgie. La chirurgie? Quand? Demain. Le chirurgien sera là demain. La chirurgie a été programmée pour demain soir. Ah, d'accord, d'accord. Mais je vous l'ai dit, Chief, les chances sont 50-50. 50-50. Ah, ok. Je peux la voir? Oui, oui, vous pouvez. C'est juste là-bas, Chief. La première porte à votre droite. D'accord, merci. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait à peine un an que j'ai perdu ma précieuse femme, aux mains froides de la mort. Et maintenant, ma fille? Que se passe-t-il? Si quelque chose arrive à ma seule fille, que deviendrait-il de moi? Tout ce pourquoi j'ai travaillé durant toutes ces années. Il faut quelqu'un pour hériter de mes propriétés. Ah, Koladé, Koladé, est-ce de cette façon que ta lignée va s'éteindre, juste comme ça? Ah, Dieu, Koladé. Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu es là? J'ai essayé de t'appeler. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as l'air d'être? Pourquoi est-ce que tu portes cette robe? Est-ce que tout va bien? En quoi est-ce que ça te concerne? Voyons, Gift. Gift, je me soucie. Je m'en soucie. Je suis vraiment désolée pour toi. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Comment est-ce que tu le pensais? Tu m'as insulté pour aucune raison. Tu es mon ami ou mon ennemi?
Voyons, Gif, tu sais que je suis ton ami, ta véritable amie. Tu ne peux pas jeter ma loyauté à la poubelle juste à cause d'une parole. Une parole idiote. Gift, je suis désolée. Je t'en prie pour l'amour de Dieu. Dieu! Je ne crois pas en Dieu. Combien de fois dois-je te le rappeler? Tu ne comprends pas? Ne mentionne plus le nom de Dieu! Ah! 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 Attends, attends. Arrête de me parler de Dieu. Je te l'ai dit, je ne crois pas en Dieu. Mon enfant, ne parle pas en mal de ton Créateur. Maman? Maman, c'est toi? Oui, mon enfant. Maman? Oh mon Dieu, maman, c'est toi. C'est toi. Où es-tu? Maman? Maman? Comment est-ce possible? Tu es morte. Est-ce que ça signifie que je suis morte aussi? Ma chair est peut-être pourrie, mais mon âme n'est pas en paix. Mais pourquoi? Comment est-ce que mon âme peut trouver le repos quand tu as refusé d'aller de l'avant et d'être reconnaissante à Dieu pour la vie que tu as aujourd'hui? Mais comment pourrais-je aller de l'avant, maman? Comment pourrais-je aller de l'avant quand tu n'es pas là pour guider mes pas? Comment pourrais-je aller de l'avant quand j'ai perdu la vue? Mais maman, maman, maintenant que nous sommes là toutes les deux, est-ce qu'on peut rester ici pour toujours? S'il te plaît, ne me laisse pas. Maman? Maman? S'il te plaît, ne t'en va pas, s'il te plaît! S'il te plaît, ne me laisse pas. Maman. 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 Maman, s'il te plaît, ne t'en va pas. Maman. Où es-tu? Je suis là, mon enfant. Maman. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas ici pour que je continue de vivre cette vie d'obscurité perpétuelle. Maman, est-ce que tu sais à quel point c'est difficile de te revoir et de ne pas être capable de tenir ton visage? Maman, s'il te plaît, amène-moi avec toi, je t'en supplie. Ce n'est pas encore le moment. Alors faisons que ça le soit maintenant. Il n'y a que Dieu qui puisse déterminer le temps de chacun de nous. En effet, tu n'as pas encore manifesté le don et la raison pour laquelle tu as été créé en premier lieu. Seul Dieu a ce timing. Mais Dieu a été injuste envers nous. Ne dis pas ça. Ne dis pas du mal de Dieu. Dieu est l'ultime. Vraiment? Même après qu'il a écouté ta vie. Si seulement j'avais l'opportunité de revenir en vie, que ce soit comme une handicapée, une sourde, muette, aveugle, paralysée, je sauterais volontairement sur l'occasion. Mais pourquoi? Pourquoi? La mort est le terrible prix que nous pouvons payer. Maintenant que tu as ta vie, sois reconnaissante ou tu la perdras. Maintenant, regarde en avant et demande la pitié de Dieu pour la vie que tu as maintenant. Pourquoi? Fais comme j'ai dit. Lève les yeux, mon enfant. Lève les yeux, mon enfant. Lève les yeux.
Gift? Docteur! Docteur! Je suis désolée. Elle n'a pas survécu. Quoi? Quoi? Elle n'a pas quoi? Elle n'a pas quoi? Elle n'a pas quoi? Lola, mais tu m'as dit qu'elle a parlé. Qu'est-ce que vous dites, la docteure? Je l'ai entendu, papa. J'étais là. Elle a dit, maman, c'est toi, maman. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, papa, je l'ai entendu. C'est pourquoi j'ai appelé le docteur. Voilà pourquoi j'ai appelé le docteur. Elle a dit, maman. Parlé. Je l'ai entendu. Elle a dit, docteur. Ce n'est pas possible, docteur. Elle est partie avec ma femme. Elle est partie. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle est partie. Vous devez venir avec moi pour signer certains documents pour qu'on puisse vous la ramener pour la morgue. Mon rayon de soleil. Monsieur, nous devons partir maintenant. Vous êtes juste en train de perdre plus de temps. Allons signer les documents. Tu m'avais promis que tu allais rester. Que tu allais rester avec moi. Maintenant, lève-toi. Lève-toi! Papa? Oui. Mon trésor! Je l'ai dit, je vous l'avais dit. Papa? Où suis-je? C'est obscur. Demande-lui de me l'enlever. Où est le docteur? Elle a besoin de plus de temps pour guérir. Vous ne pouvez Retirez pas ses bandages maintenant! Oh, grande sœur, tu es de retour. Oh mon Dieu. Non, attends. Oh, qu'est-ce qu'il est arrivé? Regarde ton visage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, c'est juste un accident de moto. J'ai eu un accident de moto. Un accident de moto? Oui, j'ai fait l'accident sur la moto. Mais attends, qu'est-ce qui t'est arrivé? Où étais-tu depuis des jours? J'ai cessé de t'appeler, je t'ai appelé plusieurs fois, même ton numéro n'était pas joignable. Je suis même allé à ton lieu de travail, mais il n'y avait personne là-bas. Où étais-tu? Je suis désolée pour ça. C'est juste que Gift a été hospitalisé. Attends un peu. Gift? Hospitalisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oublie un peu Gift pour un moment. Toi, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, ne me dis pas que tu t'es encore battu. Écoute, grand sœur. Je t'ai dit que j'ai eu un accident, mais tu ne me crois pas. Bien, la vérité, c'est que j'ai dû me défendre. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je ne peux juste pas être interpellé dans la rue par n'importe qui. Je veux dire, ce petit garçon. Mais je t'ai demandé d'arrêter de te battre, non? Comment tu te sens? Bien, je me sens... Ça va, désolé. Un peu mieux. C'est mieux qu'avant. Je me sens mieux maintenant. Tu as pu avoir de quoi manger. Oui, j'ai pu, mais je t'attends, tu sais, pour qu'on puisse manger ensemble. Tu as pu avoir quelque chose à manger ou tu m'attendais? Oui, j'ai mangé quelque chose, mais attends un peu, dis-moi. Mais attends une minute, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Gift? Ah, Chief. Allô, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Oui, monsieur. Je suis arrivée à la maison pour voir mon frère, monsieur. Ok, Chief. Ok, monsieur. Je dois repartir. Chief veut que je revienne. Ok, pourquoi n'entres-tu pas au moins pour te rafraîchir et changer de tes vêtements? Bois un peu d'eau, tu sais. Ah, c'est vrai, tu as raison. Tu sais quoi? Laisse-moi... D'accord. Merci. Merci, grande sœur. Je t'ai demandé de te battre. Vas-y. S'il te plaît, arrête de te battre. Tu sais que tu es mon seul frère. Parle. Jeune homme. Le problème ici, c'est que l'inspecteur Michel ici présent
n'a pas de patience. Je suis ici pour t'aider. Coopère juste avec moi pour que nous te laissons partir. Je vais parler. J'ai travaillé pour le chief pendant 9 ans. J'ai travaillé pour le chief pendant 9 bonnes années en tant que chauffeur. Chief m'a viré juste comme ça. Parce qu'il disait que je voulais violer sa seule et unique fille sans aucun salaire. Il m'a viré comme ça. Donc, j'ai vu ça comme une bonne occasion de lui faire payer en retour. Oui, je l'ai fait. J'ai organisé tout ce qui s'est passé ce jour-là. Vas-y, entre ma chérie. Ah, oh mon Dieu. Cette maison m'a tellement manqué. Elle est toute à toi. J'avais déjà oublié à quel point elle était magnifique. Je suis si content que les docteurs ont pu restaurer ta vue. Dieu l'a fait, papa. Dieu a restauré ma vue. Dieu l'a fait? Oui, papa. Dieu l'a fait? Oui, Dieu l'a fait. Ah, s'il te plaît, viens avec moi. Je dois te montrer quelque chose. S'il te plaît. Viens avec moi. J'ai besoin d'une boisson. La médecine est très bien. Ah, viens là. Bon après-midi, monsieur. Comment vas-tu? Bonsoir. Où est-elle? Oui, elle arrive. Assieds-toi. D'accord, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ah, Chike. Oui, monsieur. D'accord, assieds-toi. Tu sais, je suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. Je me souviens de cet endroit. Elle était assise juste là. J'en suis sûre. Qui? Ma mère. Wow. Tu sais, c'est drôle, parce que c'était son endroit préféré. Je sais. Où elle aimait rester. Tu te souviens? Absolument. Merci, maman. Même dans l'au-delà, tu veilles toujours sur moi. Merci beaucoup. Je serai à jamais reconnaissante à Dieu dans toutes les situations. Et désormais, je vivrai la tête haute. Je vivrai une vie décente. Et je te promets de conduire plus d'âmes vers Dieu. Merci. Commence par moi. Quoi? Conduis-moi vers le Christ. Voyons, Lola, tu es une bonne personne. Tu es déjà une croyante. Tout ce que nous devons faire, c'est de prêcher davantage, d'accord? Allons rejoindre papa. Ah, la voilà! Sois la bienvenue, Gift. Hein? Obiageli? Oh mon Dieu! C'est bien toi! Je le savais. Je savais au son de ta voix que tu étais très belle. Oh, tu es tellement belle. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je peux voir ton visage. C'est si bon de pouvoir te voir. Pareil, voici Chike. Mes félicitations. Oui, c'est sa voix, Chike. Oh, c'est si bon de te voir. Oui. Je le savais, je savais que tu étais très beau. Papa. Oui, ma chérie. Est-ce qu'on ne se ressemble pas? Bien. Oui, vous vous ressemblez. Alors, papa, est-ce que tu peux le rendre officiel? J'ai besoin des frères oui, et ma sœurs. Chérie. Ah, bien. Bien, d'accord, on va voir. Qu'en est-il de moi? Toi, es-tu une étrangère? Pourquoi dois-je t'adopter encore de nouveau? Tu fais déjà partie de la famille. Ah, viens ici. Venez là. Oh, bien, Gelly. Venez là. Un gros câlin, un gros câlin. On est désormais une grande famille. Oui.
Do not cry me a river. It will take my breath away. Don't fight or struggle to let go. I give you all of me. Come, let's walk down the road where there's so much joy. I wanna see you laugh away the pain of yesterday. Come, my darling, don't you cry. My love will never die. I wanna be with you today forevermore.